quatre mousquetaires du team, Super Mario, Petit Papa et l'expert sont partis à la découverte de la Norvège cet été. Pour vivre avec eux quelques moments de leur périple, toute simplicité. Vous allez voir des truites aux robes étonnantes, les unes plus belles que les autres. Allez, on est parti pour un petit tour en Norvège. Pas mal, hein ? Les gars ont essayé plusieurs techniques, le top, le leurre bien entendu, et même le fouet ainsi que la fameuse bulle d'eau sur les lacs. Rien ne leur faisait peur, le but était de prendre du bon temps, du plaisir dans un décor magnifique avec des truites aux robes de lumière. Ce fut aussi pour eux l'occasion de découvrir un cadre féerique, des décors sublimes. Il n'y avait pas que la pêche, il y avait aussi la découverte de ce pays. Ce pays fantastique, bien entendu, pour tous les passionnés de la belle mouchetée. Plusieurs types de rivières, très très larges, moyennement larges et des rivières plus petites. Et ce qui est marrant, c'est la robe des truites. Elles peuvent être d'une couleur très blanche comme très noire, comme vous allez le voir. Dans la main de Passepartout, une fantastique mouchetée avec cette robe noirâtre. Fantastique couleur, magnifique robe. Un vrai habit de lumière. Et quoi de plus beau aussi que de la voir repartir dans cette eau limpide. Elle repart, tout doucement, regagner son milieu, comme un fantastique balai. Toujours ces paysages somptueux. Ici, à bord d'un petit train, ils nous font découvrir la beauté de la Norvège et la beauté de cette rivière qu'ils longeront pendant quelques kilomètres. Pendant ces jours, ils vont faire énormément de truites, que ce soit au toc, même au fouet. Ils feront de truites plus que de raison. Il faut dire que la richesse halieutique de la Norvège n'est pas celle de la France. Encore une robe différente. Moins noire que tout à l'heure, mais un peu plus jaunâtre. Elle fait un petit peu penser à une irlandaise. Thank you.
superbe, magnifique truite de mer. Une truite qui va regagner son milieu car il est interdit de les conserver, bien entendu. Fantastique poisson. Et encore une robe magnifique. Celle typique de la truite de mer. Alors ces jours, les gars ont été un peu déçus de ne pas toucher des truites trophées. Mais lorsqu'on voit cette belle prise au toc, par Passepartout et puis jetée à la main par petit papa, nos mousquetaires ont quand même touché des belles truites, 30-35 cm. Et alors, que dire de cette eau, fantastiquement claire, limpide, on se croirait dans des eaux corses. L'apéro, c'est pour moi ça. Et oui, la célèbre boisson jaune n'a pas été oubliée comme le totem qui a fait un nouveau voyage. Quoi de plus agréable que de loger en face de cette magnifique rivière, très poissonneuse de plus. Après cette magnifique table de Girolle, passons aux différentes robes de truites qu'ils ont rencontrées durant leur séjour. Je ne suis pas un fan des truites posées sur les rochers, je le sais. Pourtant, j'ai décidé en montant ce petit film de les laisser, juste pour partager avec vous ces couleurs assez différentes qu'on a chez nous, et surtout, comme celle-ci, une truite pratiquement dorée, en absence de points rouges, et celle-ci, zébrée rouge, vraiment bizarre. L'utilité de la maçon simple montée sur le tri. Après Pierrot, c'est l'expert qui tient une belle bout de salive. Prends-le en photo, Pierrot. Là, je peux pas, j'ai un gros fiche. Agne là. Je peux pas, j'ai un gros fiche là. L'objectif de la GoPro. Alors voilà, un petit élan là-bas qui m'observe. Et j'ai une truite au bout de la ligne. Je l'ai pas vu encore. Elle est belle. Tu pourrais me l'épuiseter. Tout en même temps quoi. C'est bon ça. Tiens.
Tiens, je te la lance, l'épuisette. Je suis dedans. Regarde-le. Faut oublier la truite quand même. Allez, allez. Il est là dans le panier. Allez, belle, hein. Putain, le leurre. Babies! Les fjords font partie du patrimoine norvégien. Il est impensable pour les mousquetaires de partir dans ce pays sans voir ce magnifique spectacle. Par contre, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est cette neige. En mois de juillet, cela faisait vraiment bizarre. Il faut dire qu'ils ont eu des conditions climatiques très difficiles et très froides pour la saison. Mais ça ne les a pas empêchés tout de même de toucher du poisson, comme vous l'avez vu et comme vous allez continuer à le voir. Nouvelle truite magnifique, avec une robe encore différente, comme vous allez pouvoir le voir. Liberté.
voler. Nous voyons ici un magnifique combat sous l'eau. La truite a le leurre dans la gueule. Mais elle n'est pas décidée à revenir vers l'épuisette. Du moins pas encore. Et voici la fameuse bulle d'eau à Fifi. Sur un lac norvégien, il a décidé d'opter pour la technique de bulle d'eau, plutôt que le leurre ou le fouet. Et ça paye. On voit ici une belle moussetée. Détruite aux robes différentes qui repartent à l'eau d'une façon majestueuse. Ces eaux limpides. Dis encore, il est magnifique de pêcher dans ces eaux-là. Et regardez, la robe de celle-ci. Magnifique, superbe. Superbe mouchetée. Personnellement, je trouve ces images magnifiques. Ces nuages qui reflètent dans cette eau cristalline, et nous sommes entre ciel et eau. Take a look behind yourself, see the puzzle which make up your life. Many threads of coincidence, just like waves in the end of your mind, and you're gone. Away. Ici, Passepartout suit comme ce vent, ce qui nous offre des images assez sympathiques et assez rares. On a transatlantic plane. Like a child been waiting for surprise, and now I'm afraid to open up your eyes. Now it's time to fully break the limits of the sky. Passepartout a dû se sentir moins seul, accompagné par son ombre, c'est comme s'il avait un compagnon de pêche.
Allez, une de plus dans l'épisode. Ah ben non, elle veut pas. Et elle veut vraiment pas. Sur un lac, on voit Super Mario en action. Un saumon. Ah, ça serait une bonne nouvelle pour eux. Ils attendent ça depuis le début du séjour. Mais non, en fait, le seul saumon qu'ils vont avoir le loisir de toucher, c'est celui-ci. Et il est bien dur. Mais bon, Fifi va se contenter de cette superbe fario. Ils auront passé trois belles semaines sur le sol norvégien. Ils auront découvert les rivières atypiques avec des grandes, des petites, des moyennes, des petites taureaux. Ils auront fait des truites aux robes magnifiques. Ils auront un souvenir à jamais gravé dans leur tête. Les quatre mousquetaires ont représenté dignement le team Passion Truite et Mer. Je suis très fier des images qu'ils nous ont ramenées. Et je les en remercie. Mais j'espère que la prochaine fois, je serai...